L'aquaponie, en fait, c'est un écosystème où il y a besoin de trois choses, qui sont les poissons, bien évidemment, les plantes et les bactéries. Parce qu'on a besoin de bactéries, en fait, pour mettre en place le cycle de l'azote. Donc on économise à peu près 80-85% d'eau par rapport à du maraîchage traditionnel. On a une meilleure rentabilité au mètre carré de légumes produits, un meilleur rendement. Donc même si la serre elle est chauffée, on va rester sur des légumes quand même de saison. Donc, c'est-à-dire que la tomate, on n'en aura pas en plein mois de décembre. Donc après, voilà, là, pour l'été, on va avoir tomates, salades, poivrons, courgettes, aubergines, concombres. Vous pouvez retrouver mes légumes dans deux points différents. Ici, évidemment, sur place, donc il y a un petit chalet qui est ouvert le samedi matin de 10h à 12h30 et le mardi de 15h30 à 18h30. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, on peut retrouver aussi mes légumes, les Nancéens par exemple, peuvent retrouver mes légumes via le site L'Atelier de Ciboulette, qui permet à plein de producteurs locaux de se regrouper au niveau du même site et aux consommateurs, de commander à un seul endroit et d'avoir tout ce dont ils veulent, ils ont besoin en produits frais.